Comment ça se passe avec Brian? T'es au courant de tout en fait. Je suis au courant de tout. Bah, je suis obligé de te poser la question, j'en ai parlé avec Brian. Ouais. Je vais pas te dire ce qu'il m'a dit. Non, je te le dirai juste après. Vas-y, j'ai envie d'abord de te laisser m'expliquer un petit peu comment vous vous êtes rapprochés, parce que je sais que pour le coup c'est pas du buzz. Ouais, non, pas du tout. Non, mais je le sais. Ouais. C'est pas du buzz. Vraiment pas, ouais. C'est improbable. Je suis sûr que même toi, tu n'y aurais pas pensé. Non, j'aurais pas pensé. C'est mais clair. Pourtant, vous avez beaucoup d'atomes crochus. Mm. Vous discutez beaucoup. Ouais, on parle énormément avec Brian. J'aime beaucoup sa mentalité, justement, américaine, tu vois. Moi, quand je l'ai vu dans Secret Story, je pense un peu comme tout le monde. J'ai eu cet a priori du mec, oh là, il se la raconte. Oh, les mécaniques. Voilà, tout ça. C'est ça, j'ai du pognon, etc., etc. Et je le montre. Ce que je déteste, vraiment. Donc, en le voyant, si tu veux. J'avais un petit peu des a priori, hein, ce qui est normal. Et en fait, pas du tout. Premier contact, bon feeling. Et finalement, en fait, c'est le mec avec qui je parle le plus ici. On a beaucoup de points communs. Il est posé, il est tranquille, il est gentil, il est d'une gentillesse. Il est hyper attentionné avec moi. Il est bien gaulé. Il est bien aussi. Gaulé. Ah bah, il est beau, il a des super beaux yeux. Non, mais c'est vrai, c'est un beau garçon. Et en plus de ça, avec des valeurs que j'adore et que je partage. Enfin, j'aime beaucoup Brian. Il paraît qu'hier, vous avez discuté jusqu'à 5h du matin. Ouais, il t'a tout dit. Mais je sais tout, Sabrina, je sais tout. Il t'a parlé de l'araignée aussi qui est passée sur notre matelas et qu'on avait dû balancer. Non, ça, il m'a pas dit. Il m'a sauvé d'une araignée, mais genre grosse comme ça. Ah oui, d'accord. Mais énorme. Enfin bon. Et du coup, ouais, on discute beaucoup. En fait, j'adore avoir des conversations avec lui. On parle vachement, tu vois. On n'est pas dans l'optique. C'est pas vraiment de la drague, tu vois. C'est plus, on apprend vraiment à se connaître et on parle très bien ensemble, en fait. Je pourrais pas t'expliquer. On parle vraiment beaucoup ensemble. J'aime beaucoup discuter avec lui. Il m'apaise et c'est un petit peu mon pilier ici. Vous avez combien de différence d'âge? Voilà, ouais, ça, tu vois, j'ai pas pensé. Ah, c'est moi qui t'y fais penser. Ouais, tu vois, j'y pense plus parce qu'il est mature. Il a quel âge, Brian? Il a 21 ans. Il a 21 ans. Et toi, t'as quel âge, Sabrina? Moi, j'en ai 27. T'as 27. Donc, 6 ans. T'es cougar? Non, mais c'est improbable, hein. C'est la première fois. Non, mais c'est vrai, c'est la première fois de ma vie, vraiment, qu'un garçon. Oh, attention, oui, c'est ballon. Un ballon. C'est la première fois de ma vie qu'un garçon plus jeune que moi, alors, me plaît. Improbable. Après, j'aime bien aussi son côté un petit peu jeune, mais il a la maturité qu'il faut au bon moment. Tu ouais. vois. Pour l'instant, tu vois pas trop de décalage parce que vous avez quoi? Bah oui, vous avez 6 ans d'écart. C'est pas non plus la fin du monde. Ouais, mais moi, j'ai l'habitude soit de sortir avec des mecs à peu près de mon âge ou un tout petit peu plus vieux, mais c'est une première là. C'est ouais. une première. 21 ans. Ça craint dit comme ça, tu sais. Bah non, 6 ans chez 10 cougars pour rigoler, hein, ouais, mais tu l'as mais pas oui. pris mal. Hein. Non, pas du tout, ça bon. Va. Et est-ce que vous allez là où le vent vous mène, ou est-ce que vous parlez un petit peu de comment ça pourrait se passer la suite pour vous? Justement, ce qui est bien, c'est qu'on n'en parle pas vraiment, tu vois. On se laisse vraiment guider. C'est ce qu'on se disait justement hier. On se disait, mais ouais, donc on en est où et tout. En fait, on se dit, bien, on se pose pas la question. On s'en fout, on vit l'aventure. Et si toutefois il doit se passer quelque chose de plus sérieux, on verra, parce que ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Lui sort d'une longue relation, moi aussi. Je pense que c'est pas le moment de se précipiter, tu vois.